Ok, 14, Sierra Charlie. Oui, affirmatif, 14, Sierra Charlie, l'opérateur Christian. Ok, Christian, hein. Ok, 100% QSL, Christian. Hein. Ouais, j'étais à l'écoute un petit peu là. Donc ici, le département est le 59. La ville est Anish. Alpha November India Charlie Hotel Echo. L'indicatif est 14 Echo Delta 666. Et le prénom d'opérateur est Steven Sierra Tango Echo Victor Echo November QSL. Oui, QSL, bien sûr. Est-ce que donc que vous me sortez correctement là, parce qu'ici vous arrivez avec un signal de 9, voilà, retour micro. Ben moi je vous reçois 55, hein. Je vous reçois 55, tout à l'heure c'était beaucoup plus fort, donc je suis dirigé sud-est, hein. Je suis dirigé sud-est, donc je suis actuellement avec une directive deux éléments, cubical quad deux éléments à 13 mètres du sol, et le Transceiver est un FT847 micro Behringer, avec les artifices également Behringer QSL Christian. Ok, ok, pour vos conditions, ça a monté à 59, donc là ça varie, ouais, entre 55, 57, 59, et l'audio est très très bon, hein. Donc vous me passez dans de très bonnes conditions, ouais, a priori vous étiez avec une personne, et donc je vous entendais, comment, je vous entendais l'appeler, mais bon, comme il répondait pas, donc du coup, j'ai lancé un petit coucou, voilà, QSL Christian. Ouais, affirmatif, ouais. Ben, j'étais en train de parler en même temps que vous. Ouais, effectivement, vous m'avez dit que vous aviez une porteuse. De mon côté, je ne reçois rien. Je reçois que vous, là, sur la fréquence. Hein, donc, d'accord, ben, vous venez de remonter l'antenne, il n'y a pas de problème. Ben, ça fonctionne bien. Hein. Moi, là, je suis avec une directive. Vous êtes en vertical et ça passe sans problème, hein, Christian QSL. Oui, Christian, bien sûr. Il y a des coupures partout. L'ambition et les wifi derrière. Donc, moi j'ai rendu tout simplement la puissance du décamétrique, bien entendu. Et voilà, donc je suis content parce que cette antenne je l'avais mise de côté en pensant qu'elle ne fonctionnait plus. Donc, je l'ai révisé, j'ai regardé, et j'ai trouvé ce qu'elle avait, bien entendu. C'est vrai que, donc, ouais, avec une directive, c'est bon, mais il faudrait diriger plein sud, voilà. Plein sud, parce que moi je suis dans la région, voilà, je fais partie de la région, je suis à côté de la ville d'Orange, voilà. Ah, ok, 100% QSL, hein. J'avais cru comprendre le sud-est, hein, donc ouais, effectivement, je ne suis pas tout à fait dans votre direction, donc bah, je vais essayer d'ajuster pour le mieux l'antenne, après, comment, bah, la propagation varie, hein, donc voilà, alors attendez, voilà, ouais, ça devrait être un petit peu mieux, mais bon, il suffit que la propagation... chute, donc forcément les signaux seront beaucoup moins élevés là. QSL, Sylvain, Christian, excusez-moi. QSL, toujours pareil, la porteuse qui me gêne, moi de mon côté, voilà. Je comprends pas tout parce que donc cette fameuse porteuse, elle arrive à plus 10 ici. Voilà, elle arrive à un signal de plus 10 et donc ça fait des coups. Voilà, je sais pas si de ton côté tu m'entends correctement, ou ton micro. Ouais, toujours 55, hein, toujours 55. De mon côté, je n'ai pas d'autres QSO en parallèle ou de moustache, donc il n'y a pas de problème. Hein, c'est du 55, hein, très bon audio également, donc il n'y a pas de souci, Christian. Hein. Oui, tout à fait, voilà. Moi, j'hésite de mettre une directive parce que ici, dans le Dérard, on a encore du fort rafale de Mistral, ce fameux vent du Nord qui vient. Il y a 3 mois en arrière, on a essuyé quand même des rafales de 140 km/h, ce qui m'a coupé en deux une matière vocale. C'est pour ça qu'il m'a fallu remonter mon entière antenne, retour. Ah, ok, d'accord, ouais, ok, QSL, ouais, bon, bah, c'est bon, hein, la Mantova 8 Turbo, c'est une très bonne antenne, hein, Christian, hein, ça fonctionne très bien, hein, c'est, comment, ça fait depuis combien de temps que vous l'avez remontée, là, l'antenne? Je l'ai
n'est pas loin, bien sûr. Lui aussi, il vendu le chemin avec sa disque carrément, bien sûr, et puis il a une verticale montoir aussi. Donc, je ne sais pas si j'ai entendu. 14 golf, stop, voilà, l'opérateur François, retour. Ouais, j'ai peut-être déjà entendu, hein, je fais pas mal de contacts là. Je l'ai peut-être déjà entendu ou peut-être déjà également contacté. Hein, donc voilà, non, bah, ça fonctionne bien. Vous venez de la remonter aujourd'hui. Donc bah, les essais sont concluants. Hein, forcément, en local, bah, voilà quoi. Forcément, si vous n'êtes pas loin l'un de l'autre, ça peut que fonctionner. Après voilà quoi. Après, il faut vérifier les PL et le coaxial. Hein. Voilà, question. La ville de Nice, Côte d'Azur, stand-by. Ok, QSL, la Nice. Pour Pinel Top, pour l'instant, j'ai pas de TOS, mais il m'a dit en plus, il est affiné. Vous avez la meilleure réception et la meilleure émission. Retour. Ouais, affirmatif, hein. Affirmatif, Christian. Non, mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de. Il n'y a pas de problème, la Mantova 8 Turbo, j'en ai déjà monté et c'est très costaud. Hein, ça, c'est vrai qu'elle est assez grande, assez volumineuse et assez costaud, mais c'est une très très bonne antenne. Hein. Voilà, donc moi je ne l'ai jamais possédée, mais j'en ai déjà monté une et elle fonctionne toujours depuis beaucoup d'années, on va dire, je ne sais plus, peut-être une dizaine d'années, un peu moins. Que l'antenne est montée chez la personne et est toujours aussi fonctionnelle. Voilà. J'ai la ville de Nice. Je ne sais pas, au moins que vous QRT ou si vous restez toujours là. Ou sinon, il y a la ville de Nice là pour savoir si vous la recevez, Christian. Donc, ben, 73 ici de 14 Echo Delta 666. L'opérateur est Steven. Le département 59 en compagnie de Christian. 14 Sierra Charlie. Christian, voilà. Retour au Nice. Oui, 73, Steven, ok, ici c'est 14, Sarigolf 01, l'opérateur Christian aussi, voilà, donc vous arrivez ici dans d'excellentes conditions, c'est pour ça que ça m'a arrêté, en faisant le tour de Guélette, là vous arrivez de 9+30, donc ici sur la ville de Nice, là. Voilà, ici l'opérateur Christian, c'est un micro de retour. Ok, l'opérateur est Steven, Sierra Tango Echo, Victor, Echo, November, Christian. Ok, 14, Charlie Golf 01, Christian. Ok, c'est bien noté. Vous m'arrivez également 9, 9, 10, 9, 20, a priori, là. Ça passe très bien. Donc, je ne sais pas si vous aviez entendu également Christian, là, du côté de Orange, la QSL. Ah ouais, pour les côtés. Négatif, je ne l'entends pas. Très légèrement, mais c'est pas déchiffrable. Hein. C'est pas déchiffrable, pardon. Donc, bah, je vais vous laisser en stand-by, je reste derrière là. C'est simplement pour vous faire un petit coucou. Voilà, Steven. Donc, ici 14, Sarri Golf, qui vous salue. Et mon QSO. Merci beaucoup de m'avoir répondu. Ok, à très bientôt, Christian, 14, Charlie Golf 01, 73, et à bientôt. Hein. J'ai entendu la Côte d'Azur. Je vais faire un retour à Christian, voir s'il entendait bah, Christian de Nice, et après, il y aura la Côte d'Azur. Bah, retour, Christian, là, QSL. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est non. Ici, donc, c'est Christian de la Côte d'Azur, Nice. Effectivement, c'est la Côte d'Azur. Ouais, affirmatif, hein, pourtant vous êtes pas loin de l'un de l'autre, hein, 14 Sierra Charlie, Christian. Ouais, il n'y a pas de souci, hein, Christian également, là, 14 Charlie Golf. C'est parce que ouais, je sais que vous êtes également du côté de la Côte d'Azur, mais il y a une autre station qui s'est signalée en disant la Côte d'Azur. Hein, c'est pour ça que j'ai réitéré la Côte d'Azur, hein, Christian et Christian. Hein. Donc bah voilà, donc ouais, c'est un peu dommage, vous êtes pas loin de l'un de l'autre et vous vous entendez pas mutuellement. Hein. Donc il y a une autre station là qui s'est signalée de la Côte d'Azur également, là, qui m'arrivait également comme un boulet de canon que je salue. Hein. Donc il y a 14 Echo Delta 666 Steven. Et il y a également 14 Charlie Golf 01 Christian qui est toujours à l'écoute. Et 14. Sierra Charlie, Christian également du département bah, de la ville d'Orange. Voilà. Retour à la Côte d'Azur. Ok, merci Steven, je crois, hein, si j'ai bien noté, là, 73, ici 14 Alpha Delta X-ray 001.
14, Alpha Delta X-ray 001, l'opérateur c'est Jérémy, Juliette Echo, Romeo, Echo Mike et Yankee, Jérémy, sur la ville de Nice, hein, sur la ville de Nice Côte d'Azur. Par contre, bah, j'ai pas QSL de Christian derrière, hein, qui est sur Orange, là, il me semble, hein, si j'ai bien tout suivi là. J'entends que vous, pour le moment, là, Hachi, là. Je vous retourne le micro, Steven, avec toutes mes 73 amitiés, et merci de m'avoir fait rentrer dans le petit QSO là. Retourne micro. Ok, Jérémy, ça passe très fort. Hein. Ça passe très fort. Je pense que vous êtes en fixe également. On entend la ventilation. C'est peut-être dû à la haute température, Hachi, pour refroidir votre check radio. Ok, Jérémy, 14, Alpha, Delta, X-Tray, 001, Jérémy. Il n'y a pas de problème. Ça passe dans d'excellentes conditions. Il y a également Christian, Charlie Golf, 01 et 14, Sierra, Charlie. Christian également là qui est de votre côté hein, donc bah c'est bizarre quand même que vous vous entendez pas hein. Donc bah, je vais essayer de faire un retour à Christian. Donc 14 Sierra Charlie, Christian, retour. Oui, merci pour le retour. Eh bien, Charlie, au bonheur, tu veux QR, bien sûr, qu'elle vient de m'appeler. Alors je vais voir un peu ce que ça veut. Il y a tous mes amis qui retournent à la station, et puis Ok, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai fait une petite vidéo. Il y aura toutes les stations qui se sont signalées sur la vidéo. Hein. Donc vous taperez soit mon indicatif sur YouTube et vous tomberez sur la petite vidéo d'un QSO de groupe. Hein. Donc 14 Sierra Charlie, Christian, 73. Merci du contact et à très bientôt. Bon, je vais faire un retour à Jérémy, puis il y a également Christian Charlie Golf 01 qui est en stand-by. Hein. Ben, retour, Jérémy. Oui, ok, merci pour le retour. Hein. Ben, j'ai bien noté, hein, 14 Charlie Golf 01, Christian, 14 Sierra Charlie, donc là, j'ai pas le numéro derrière, Christian également. Et Steven, je pense, donc hein, je pense que c'est vous, là, Steven. Hein. Donc, j'ai pas eu du tout l'indicatif, là, et le QTH, là. Je retourne le micro, Steven. Ok. Donc l'indicatif est 14 Echo Delta 666. 14 Echo Delta 666 sur le département 59 et la ville est Anish. Alpha, November, India, Charlie, Hotel, Echo. QSL, Jérémy. Pas de problème, hein, 100% de QSL, 14, Echo Delta, 666, sur le 59, la ville à Nice, hein, y a pas de problème, ça passe bien, hein, ça passe très très bien, 57 en pointe, hein, ça n'a pas dépassé les 57 pour le moment, mais bon, j'ai énormément de QRM, hein, j'ai du 59 de QRM, là, chi, là. Donc, dur, hein, de mon côté, 27 mégas, j'ai énormément de QRM, je sais pas pourquoi, hein, y a que sur cette bande que j'ai du QRM comme ça, là. Voilà, ben pour les Christian, là, j'ai pas entendu du tout, hein. Mais alors, pas du tout, pas un petit signal, rien du tout, hein, derrière, hein. Mais bon, avec le QRM, hein, c'est peut-être à cause de ça également, hein. Voilà, ben, moi, je suis en fixe, hein. Je suis en fixe aussi, hein, avec un Yaesu FTDX 1200, un ampli 1500 watts Améritron, là, bon, qui fonctionne pas actuellement, hein. Là, j'ai les 100 watts du TX, là, j'ai pas mis l'ampli, là, parce que sinon, là, je vais griller l'antenne, là. Et l'antenne, moi, c'est une filaire, hein, fabrication OM, là, qui est sur le toit, là. On va dire à 30 mètres du sol et en plein en face de la mer, là. En face de la mer, sur les hauteurs bien dégagées, là. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'ampli. Quand ça marche bien comme ça, il n'y a pas de souci, là. Voilà, Steven, je retourne le micro. Ok, 100% QSL. Hein. Vous avez une très bonne audio. Le Yaesu FT 1200, c'est un bon appareil. Par contre, il y a un léger bruit. Je ne sais pas si c'est un ventilo ou quoi, comme j'avais dit tout à l'heure, pour vous rafraîchir. Mais c'est vrai qu'il passe légèrement au niveau de votre modulation. Hein. Comme votre audio est très très fort, on l'entend. Donc moi, mes conditions de trafic sont un Yaesu FT 847.
Le microphone est un microphone Behringer Pro B2 et les artifices sont comment l'équaliseur, le préampli également, tout Behringer, voilà, tout ça relié à l'appareil et relié également à l'ordinateur. Et l'antenne est une cubicale quad, deux éléments, QSL, Jérémy. Oui, QSL, pas de problème, ça passe bien, hein, très très bien, hein, une bonne petite cubicale quad, il n'y a rien de tel, hein, ça fonctionne bien, ici. Bah, là, le problème, c'est que bah, mon QRA se trouve sur mon lieu de travail, hein. J'habite au boulot, du coup, bon, je peux pas mettre ce que je veux comme antenne, c'est un peu la galère. D'ailleurs, j'ai un peu mis celle-ci un petit peu en cachette, on va dire. Là. On la voit pas trop, donc ça va. J'espère qu'on m'entend pas dans les télés. Là. Voilà, donc un peu difficile au niveau de l'aérien. Là. Ça marche, je fais d'énormes contacts là, sur toutes les bandes de fréquence. Là. J'arrive à faire de très très bons contacts. Hein. Pour le micro, c'est un Eagle, hein. C'est un micro Eagle chromé là, de base, hein, à l'origine, que j'ai monté sur un pied, là, hein, que j'ai monté comme un micro studio, hein, avec un petit ampli derrière, là, enfin un compresseur derrière en plus. Là. Par contre, le ventilo, ouais, c'est peut-être la lime, hein, qui fait un peu de bruit. Là. Je suis en train de la dépanner d'ailleurs. Donc c'est peut-être ça qui fait un peu de bruit. Voilà, donc, mais bon, on va dire que j'ai troqué mon matériel que j'avais avant, le ICOM IC7600, hein, avec un super micro de table, micro studio. Contre le FTDX 1200 et l'ampli 1500 watts. Là. Voilà, et c'est vrai que bon, j'étais content de mon ICOM IC7600, par contre, le FTDX 1200, bon, j'en suis pas très 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 content, voilà, c'est pas du tout le même matériel. Hein. Mais bon, ça marche et c'est le principal, on va dire, là. Voilà, Steven, pour tout ça, bah, vous pourrez regarder aussi sur Internet en tapant mon indicatif. Vous devriez trouver des photos, là. Peut-être, vous devriez noter ce que j'avais avant. Hein. Avant, j'étais sur un club, là, sur Nice, là. Et mon indicatif, c'était 14 Mike Papa, 14 Mike Papa, 034. Voilà. 14 Mike Papa 34. Et vous verrez, là, vous verrez tout. Vous devriez trop tomber sur mon blog, Skyblog, hein, et vous verrez un peu toutes les photos du matos là. Voilà, bon, je change très souvent, hein, très souvent. Hein, dans l'année, je dois changer 3-4 fois de TX là, Hachi là. Retour micro, Steven. Ah, ok, 100% QSL, hein. 100% QSL, bah ouais, pourtant, l'ICOM 7600 est déjà un très bon appareil, donc de là à récupérer un Yazoo FTDX 1200, il y a quand même une différence, c'était quand même le top des tops déjà, le 7600. Ouais, affirmatif, hein, j'ai tapé votre indicatif, 14 Mike Papa 034, et également 14 Alpha Delta X-Tray. J'ai également, je tombe également sur vos différents matériels également, hein, et également des vidéos. Hein. Voilà, Jérémy. Hein. Ah, ça a peut-être chuté, attention Jérémy. Oui, ok, ouais, ça a chuté à la fin, je savais pas si vous aviez fini de parler. Bah, j'ai tout compris, hein. J'ai eu QSL à 100%, mais il y a eu une petite baisse, hein. J'avais peur que vous soyez en train de parler là. Voilà, ok, bah, c'est bien noté aussi pour l'indicatif, hein. Je regarderai un petit peu sur internet, là. Il n'y a pas de souci. Pour l'échange, oui, c'est vrai que le FTDX 1200, bah, c'est pas terrible quand comparé à l'ICOM, hein. Mais l'ampli, par contre, est très intéressant. Hein. C'est un Citron AL 1200, hein, de 1500 watts, là, qui est en super bêta. Hein. Il est vraiment en super bêta. Donc voilà pourquoi j'ai fait l'échange. Bon, l'ampli, il coûte déjà 4000 euros tout seul, là. Et le Yaesu, bon, bah, il en coûte 1600 et quelques. Hein, j'ai la facture. Bon, il est toujours garanti. Hein. Il est toujours garanti, donc il est neuf également. Hein. Donc bon, j'ai fait une bonne affaire. Hein. J'ai fait une bonne affaire, mais bon, c'est déjà tout à vendre, là, puisque je voudrais m'acheter le IC7700, là. Voilà, le IC7700 de ICOM, hein. Donc, j'aimerais bien passer à l'étage au-dessus, là, la chie, là. Voilà, et puis bon, bah, j'ai aussi l'interface USB 4, hein, pour piloter
le Yaizu par PC, hein. Donc voilà, j'avais tout le temps là contre le IC 7600. C'était quand même une assez bonne affaire, on va dire, hein. Surtout pour l'ambiance. Il n'y a pas de souci. Voilà, il envoie du lourd, comme on dit là. Voilà, Steven, je retourne le micro. Les conditions. WX ici, là, il fait très très chaud, hein. Comme vous pouvez vous en douter, il fait super beau et trop trop chaud même. Voilà. Retour micro, Steven. Ouais, merci du retour, hein. Merci du retour, et de toute façon, vous avez internet, forcément. Vous taperez l'indicatif, nous on a 29 degrés, hein, il fait lourd là. Il fait lourd, donc je sais pas, la station météo dit qu'il va y avoir de l'orage et de la pluie, donc on verra. Hein. On verra ce qui va nous arriver, voilà Jérémy. Donc ben, vous taperez votre indicatif sur YouTube et vous tomberez également sur la petite vidéo de groupe. Hein. Donc il y aura... 14 à Alpha Delta X-Ray 001. Il doit avoir également 14 Charlie Golf 01 qui est toujours à l'écoute, je pense, Christian. Et il y avait également 14 Sierra Charlie Christian de Orange. Donc je marquerai également les départements dans la description. Hein. Voilà Jérémy là. Ouais, donc nous on a 29 degrés, il fait extrêmement lourd. Demain il fera un petit peu moins chaud, mais voilà. A priori, ils disent pas qu'il va y avoir de la pluie et la station météo dit qu'il va pleuvoir. Donc on a 1000 hectopascal, ouais, on verra ce que ça donne. Voilà, QSL, Jérémy. Oui, ok, Steven, il y a un break derrière. Hein. J'ai entendu un break là, je sais pas si. Peut-être qu'il est en train d'appeler en même temps que moi là, Gilles. Voilà, donc avec votre permission, je vais laisser rentrer la station derrière qui a envoyé un break. Alpha Delta X-Ray 001, l'opérateur c'est Jérémy, et sur la ville de Nice, Côte d'Azur, là. Voilà, donc avec votre permission, Steven, je laisse rentrer le break, là, je laisse à mort, et puis en avant le break. Ok, le break.